Reconnu pour son sens du devoir, de loyauté et de bravoure par l'Union des journalistes pour l'émergence du Congo, le commissaire supérieur principal Blaise Mboula Kilimba-Limba, commissaire provincial intérimaire de la police nationale du Congo central, vient d'être primé par cette structure qui accompagne les actions salvatrices du chef de l'État Félix Tshisekedi, une façon pour l'UGEC d'encourager cet officier supérieur de la police nationale congolaise, à travers lui, d'autres compagnons d'armes à se mettre résolument au service de la nation et de son peuple. Dadi Simba Diop pour cet éclairage. C'est un jour peu ordinaire pour le commissaire supérieur principal Blaise Mboula Kilimba-Limba qui a été agréablement surpris dans son bureau de travail à l'état-major commandement par cette délégation de l'Union des journalistes pour l'émergence du Congo. L'UJEC qui accompagne les actions salvatrices du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a jeté son dévolu sur le commissaire provincial intérimaire de la police nationale du Congo central à qui elle a décerné un diplôme de mérite pour, je cite, s'être particulièrement distingué en République démocratique du Congo par le travail, la vertu et les actions de grande envergure sur le plan technique, administratif, managériel, social et tant d'autres au service de la nation congolaise, peut-on lire sur ce diplôme de mérite et d'excellence. Jacques Kabongo Ekuchu, secrétaire exécutif de l'UGEC. Préoccupé à la situation confusionniste qui s'investit en Noël et défunt par les diplômes à titre posthume, notre structure a jeté son dévolu à des personnes dotées de vraies valeurs, dignes, compétentes et intègres dans le domaine de la sécurité, à l'instar du colonel Blaise Kilimba-Limba, commissaire provincial adjoint en charge des opérations de la police nationale congolaise, province du Congo central. L'Union des journalistes pour l'émergence du Congo a retenu quelques critères pour notre lauréat de ce jour, à savoir les respects de hiérarchie, votre détermination, votre probité morale, votre management assuré dans ce secteur, votre savoir-faire, votre franche collaboration, courage infaillible de travailler puisque vous prédécessez. Vous êtes incorruptible, l'esprit de l'honnêteté fondé sur la justice distributive. Et enfin, l'ouverture sociale à la portée de tous. Pour sa part, le commissaire supérieur principal Blaise Mboula Kilimba-Limba, commissaire provincial ad intérim de la PNC Congo central, n'a eu d'autre mot que de rendre un vibrant hommage au garant de la nation qui lui a confié cette mission d'assurer la sécurité de la population du Congo central et celle de ses biens à travers les maintiens et les rétablissements de l'ordre public. Le chef de l'État se trouve là-bas, donc comme commandant surtout des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Les hommages très distingués. Je dis aussi merci pour cette confiance et d'avoir placé son serviteur que je suis à ma qualité et à mon titre dans la province du Congo central. Il s'y est de signaler que c'est depuis le début de l'année en cours que le commissaire supérieur principal Blaise Mboula Kilimba-Limba dirige à titre intérimaire avec bravoure, perspicacité et dynamisme les commissariats provinciaux de la police nationale du Congo central.